Mais non, c'est une fraise, c'est pas papa. Tu fermes ton livre? Avec les deux mains. Descends. Okay. Prends-la avec tes deux mains. Dans le salon. Va la mettre sur la table dans le salon. J'espère que ça va bien. Aujourd'hui, on est vendredi le 27 juillet. Puis, il est proche 7h30. Zach, le matin, il s'est réveillé à 6h23. Il est timé comme ça se peut pas. Ça doit faire une semaine qu'il se réveille à 6h20, 6h23. Fait que je suis debout depuis ce temps-là avec Petit ici qui a fait tomber ma manette. Qu'est-ce que tu fais? Ben oui, mais tu peux pas passer en dessous de la table. T'es trop grand. Ben, c'est la dernière journée de travail de la semaine. C'est la dernière journée de travail de la semaine. Puis je laisse dormir Tommy un peu à matin. Là, mes beaux-parents vont arriver demain. Puis demain samedi, on a un match de l'Impact de Montréal. Fait que je vais peut-être essayer d'emmener ma caméra puis essayer de filmer un peu. On a un tailgate avant avec les collègues de travail à Tommy. Puis après ça, on a la game demain soir. Fait que si mes beaux-parents sont revenus des 10 coups moins, ben on va le faire garder Zach. Puis s'ils sont pas revenus, ben on va emmener Zach avec nous à la game. Alors, il joue avec la boîte à musique. T'es-tu capable de mettre le bonhomme dedans? T'as-tu besoin d'aide? Amène-le ici. Amène-le ici. Maman, elle va le rentrer. T'as la maman. Tiens. Tiens. Faut que tu tournes ici. Bon. Tantôt, Zach, il voulait mettre son biberon dans mon café. Puis là, il était fâché parce que je voulais pas qu'il touche à mon café. Ah. Fait que, pas mal ça. Là, il faudrait qu'on aille au Costco acheter du lait puis des œufs. Fait que peut-être que Tommy va y aller ce matin ou on va peut-être y aller demain matin. Fait que quand mes beaux-parents vont arriver, on va passer la journée avec eux. Oui? Tu vas faire ta dose? Puis aussi, il faut... J'ai un bébé qui a faim. Je vais aller préparer sa tosse, puis je vais refaire mieux plus tard. T'as carré? Mmh. Bon appétit! Ça va être bon? Oh! Ah. Je suis allée sortir la chatte d'en bas. Fait qu'on va l'entendre miauler. C'est ça. Est-ce qu'il y avait tout à sortir? Minou! Fait que je suis en train de préparer un café à Tommy. C'est un peu notre façon de se réveiller le matin. Parce qu'on essaie de s'alterner un matin sur deux, savoir qui se lève pour Zach. Fait que souvent on se fait un café pour aller... genre, je vais aller porter un café pour le réveiller. C'est-tu fin, hein? Mais non, c'est juste un incitatif. Hein? Lève-toi, il est chaud, c'est le temps que tu le boives. Fait que c'est pas mal ça, là. Aujourd'hui, je m'en vais travailler. Puis la garderie ferme à 4 heures parce que là, ma gardienne tombe en congé pour 2 semaines. Fait que
Là, la semaine, c'est pour ça que mes beaux-parents reviennent. Ils vont venir s'occuper de Zachary pendant une semaine. Puis ensuite, l'autre semaine, ça va être ma maman qui va s'en occuper. Que je dis un gros merci à tout le monde de nous aider. C'est vraiment super gentil. Si l'année prochaine, on est capable de prendre nos vacances en même temps que les vacances à la garderie, ça va juste être plus simple. Mais là, pour l'instant, cette année, ça fonctionne comme ça. Fait que là, c'est ça. Demain, on a la game de soccer. Puis vendredi, je pense qu'on n'a rien de spécial. On va peut-être aller bruncher au restaurant en se réveillant dimanche matin. C'est je vais faire une petite update gazon. Parce que, vu qu'il y a beaucoup mouillé, ben tout notre gazon jaune est en train de partir. Là, on a de la mauvaise herbe qui est en train de pousser dans notre tour. Mais, fait que là, on voit qu'il y a du vert qui apparaît dans le jaune. Ça va faire du bien. Parce que, honnêtement, là, le gazon était tout en train de mourir. Yay, on aime ça quand il pleut. C'est plate pour les gens qui sont en vacances de la construction parce qu'on s'entend que c'est comme pas un temps idéal. Mais bon, tu veux vraiment sortir, toi, hein? Un beau balcon plein de jouets. Fait qu'en gros, c'est pas mal ça. Je vais aller porter le café à Tommy. Puis là, je vais feuilleter mon livre de cuisine futée 3 pour voir si c'est une recette de poulet à la mijoteuse. Parce qu'on en a sorti. Puis je vais essayer de cuisiner ça avant de partir travailler. Fait que je vais aller vérifier ça. Je sais pas si c'est une recette. Maman! Oh, fait que là, j'hésite entre 3 recettes. Soit que les bouchées de poulet au prosciutto, que je pourrais envoyer Tommy à l'acheter du prosciutto. Sinon, il y a le poulet parmesan aux champignons qui pourrait être bon. Ou le poulet citronné. Ah, Marie, une roulade, ça pourrait être bon aussi. Là, c'est le... Ta, 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 ta. Ah, c'est la page que je peux y aller. Il y a l'escalope de poulet citronné qui a l'air vraiment super bon. Ok. Je vais montrer les 3 options à mon chum pour voir qu'est-ce qu'il a le goût de manger à soir. Les images sont tellement belles dans ce livre-là, là, sérieusement. Là. Ouais. C'est parti de mon déjeuner. Fromage, puis là, je voulais me faire un œuf tourné, mais il a crevé. Fait que là, mon jaune est déjà cuit. Paraf! Lui, il est comme vraiment gros. Fait que yogourt grec. Sirop d'érable. Papa! Tu veux regarder ton livre? Ah! Ben oui. Et? Maman! Tiens, tu peux regarder ton livre au comptoir pendant que maman mange. Hey, attends un peu. You le tracteur. You. You le tracteur. Tracteur. You. Qui? Y es-tu là? Tracteur. Bon, on va dire que c'est un tracteur. Il est là, mais on va dire que c'est ça. Tracteur, you. Tracteur, il est là? C'était clair, ça? C'est fou comment il est tout le temps genre « Maman! Maman! T'es-tu fait un câlin à maman? T'es-tu fait un câlin? Oh, tu fais, t'as pitié ton livre. Viens t'en! Viens ici! Non? Il est comme, si j'ouvre le livre, tu partiras peut-être pas travailler, hein? Ok, moi je m'en vais travailler. Puis on a un petit garçon qui aime pas ça quand je pars. Tu fais? Ah oui. Hey! Viens donner un bisou! Viens donner un bisou à maman! Un petit bisou? T'es vraiment. Ah, oh, il y a de la bave là. Bien, bonne journée! Allô tout le monde! Pourquoi que c'est tout le temps quand je commence à filmer qu'elle se fait miauler? On est un petit peu plus tard, il est rendu 5h10. Ma mère elle vient de partir, elle était venue garder pas longtemps, elle est allée chercher Zach à garderie, puis ma gardienne elle finissait à 4h, fait qu'elle est allée chercher vers 3h20, puis elle vient de partir. Puis j'avais un petit gars qui m'a dit un très bon clip, très clair.
Allô? Isaac est allé sur le bord du frigo, puis il essaie d'ouvrir la porte en disant « manger ». Fait que c'était un mot qui était très, très, très clair, autre que papa, maman. Fait qu'on on s'est dit qu'il avait faim. Fait qu'il est 5h10, puis il est encore en train de souper. On a commencé à le faire manger plus de bonheur. Parce que justement, ben là, il avait faim. Fait que c'est ça. Puis là, Tommy, il est allé au Costco un matin, puis j'ai demandé de m'acheter. Ça va être ma petite lecture de ce soir. Fait que c'est le nouveau livre de Cuisine Futée 4. J'ai vraiment hâte de voir les recettes. Sérieusement, là. Je pense que je vais me prendre un petit moment ce soir pour mettre plein de post-it, pour me donner plein d'idées de recettes. Puis là, à soir, on va se faire la recette de boucher de poulet au prosciutto. Minou! Fait que, on va cuisiner ça tantôt. Cuisiner, excusez-moi. Ça prend combien de temps à cuire? Badjani, il reste la sauce pour suivre la cuisson 2 ou 3 minutes sur le grill. Ok, 15 minutes. Bon, c'est quand même pas super. Là, j'ai parti l'air climatisé parce que c'est humide. Il y a eu une petite, ondée express. Là. Il a comme mouillé pendant à peu près 5 minutes. Puis le soleil est ressorti. Ça, c'est mortel. Ça veut dire qu'il va faire super humide. Donc, je vais vérifier quand Isaac va avoir fini de souper. Je vais peut-être l'emmener dans la piscine. Puis le faire jouer tranquillement. Là, c'est notre fin de semaine. Fait que. Ah, oh, je vais en profiter pour relaxer. Ça fait du bien. C'est la fête de maintenant. Bon, je vais aller me changer parce que j'ai chaud. Je vais mettre plus léger. Vu qu'il fait chaud, on se gâte un petit bout de sandwich à crème glacée. Est-ce que tu aimes ça? En tout cas, t'as de l'air aimé ça. Miam, miam, miam. Ça a l'air de ça, un bébé qui a mangé une sandwich à crème glacée. Hey, montre-moi tes mains. Montre tes mains. Yark. 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 Ah, oh, t'es toute sale. On va-tu se laver? D'accord. Fait qu'on est un petit peu plus tard. J'ai faux, c'est humide. Il y a comme un orage qui est passé comme à côté, mais qui finalement, elle ne nous a pas touché, là, comme tout le temps. J'aimerais ça qu'il y ait un gros orage, là, mais ça a l'air que ça n'arrive pas. Fait que Zach n'était pas encore endormi. Il est rendu 8h10. Puis là, je m'en vais faire un tour au Art parce que je veux aller regarder pour acheter un rideau pour le bureau. Le soleil, quand il se couche, Tommy dans le bureau, ça s'en va directement sur ses écrans. Fait qu'il est tout le temps en train de cacher la fenêtre avec des sacs à dos. Fait que c'est pas la meilleure méthode, on s'entend. Fait que si je prends un petit moment juste pour y aller. Voiture, voiture, non. Fait que c'est ça, là, t'sais, il est 8h, je vais juste aller faire un petit aller-retour. Puis j'ai beaucoup de ménage à faire. Vu que mes beaux-parents arrivent demain, il faut que je passe la balayeuse dans le sous-sol au complet. Fait que je vais aller vérifier ça. Je vais peut-être vérifier aussi pour acheter un petit voile pour placer dans la fenêtre de la salle de bain. Fait que une toile puis un voile. Après que Zach aille souper, on est allé se baigner. Puis j'ai commencé à fêter mon livre de cuisine futée, 4. Déjà en partant, après 3 pages, il y a 2 recettes que je veux faire. Ça part très bien. On était dans la section déjeuner. Puis après ça, on est en train dedans. J'ai décidé de laisser faire le bain à Zach ce soir, vu qu'on s'est baigné beaucoup. Puis j'ai donné son lait. Puis quand j'y ai donné son lait, ben il y avait le film Il pleut des Hamburger 2 que j'avais jamais vu. Parce que faut dire que ça fait quelques années que je suis un peu inculte des films jeunesse, disons. J'en ai écouté beaucoup avant, mais là j'ai été quelques années sans en écouter. J'ai jamais vu Il pleut des Hamburger 1. J'ai écouté un petit bout de Il pleut des Hamburger 2. Puis j'avais Zach sur moi, puis je me suis endormie. Mais le film était vraiment bon, mais on dirait que dès que j'ai mon gars sur moi, là, je croule de fatigue et je m'endors automatique. Fait que je continue ma route, je me dépêche parce que c'est sûr que ça doit fermer à 9h le magasin. Je veux pas rester là-bas trop longtemps. Je vais juste regarder pour acheter la toile puis le rideau. Fait que je vais vous montrer après ce que j'ai acheté. Bonsoir, on est plus tard, il est 10h moins quart.
Puis finalement, je suis allée au Art, puis j'ai acheté un rideau comme jour et nuit, comme avec un intervalle. J'ai acheté ça pour le bureau Atomie. Puis j'ai acheté un petit voile pour mettre dans la salle de bain. Mais il est un peu trop long, il va falloir qu'on le rapetisse. Fait que, on a arrangé l'électricité pour faire la piscine. Mes parents sont venus faire un trou pour mettre une prise extérieure pour la piscine. Puis là, Tommy et moi, on a finalisé en mettant le breaker dans le panneau d'électricité. Fait qu'on vient de faire ça. Puis là, on avait du ménage à faire, mais là, il fait beau. Fait qu'on s'en va faire un feu de camp. Fait que je vais arrêter de filmer ici. Je vous souhaite de passer une belle soirée et je filme demain pour la game de soccer de l'Impact. Bye bye!